Yahweh, 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 bate la mito. Yahweh, Yahweh, bénisse la mito. Excellent début de week-end, chers téléspectateurs. Merci de choisir Ma Bannière Télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle session d'actualité sur nos antennes. À la une de cette session, les chefs de l'exécutif provincial du Congo central, le docteur Gibandou Ndungidi, ainsi que les forces politiques et forces vives de toute la province du Congo central, étaient dans la rue ce vendredi 16 décembre 2022 pour une marche de soutien aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. La marche a débuté à la place Les Copains en Voidou pour chiter au niveau du rond-point Simon Kimbangu. C'était sous une pluie battante. Les détails dans ce reportage. Sous une pluie battante, cette marche de soutien aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise dans la partie est du pays a débuté à la place Les Copains en Voidou. Sur la première ligne, le gouverneur de province, Dr. Gibandou Ndungidi, le vice-gouverneur, les maires entrants et sortants de Matadi, le vice-président de l'Assemblée provinciale, le député et ministres provinciaux, entourés d'une forte foule constituée de membres des différents partis politiques et d'autres organisations de la société civile. C'est au rond-point Simon Kimbangu, ex-Coca-Cola, que le gouverneur de province, Dr. Gibandou Ndungidi, s'est adressé à tous les manifestants après avoir observé un temps de recueillement en mémoire des victimes de l'insécurité à l'est du pays et celles des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. Nous avons marché sous la pluie et cette pluie est une pluie de bénédiction pour montrer que nous souvenons toutes les personnes qui sont décédées dans cette guerre, pour montrer que nous n'oublions pas que le pays est en guerre. Nous marchons également pour soutenir le chef de l'État dans sa quête vers la paix. Ceci est une marche de paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Nous marchons contre l'hypocrisie de la communauté internationale. Nous marchons contre cette loi stupide de l'embargo contre les armes. Nous marchons pour notre liberté. Faisant d'une pierre des coups, l'autorité provinciale a appelé la population du Congo central à se faire enrôler massivement pour les élections de 2023. Il faut exercer droit nayo civique. Ça veut dire droit de vote. Allez. Un homme, une voix. Les associations et Kochanje Mbokate. Ma tata, ma maman. Bande qu'on a dit sur la Matadi. Merci. Bande qu'on a dit sur la Congo centrale. Oui, Tosalia, ma papa. Ma Congo sur la Katia Mokili. C'est refroidi, Tosalawa. Pour s'enrôler massivement à partir du 24 décembre 2022 jusqu'au 23 janvier 2023. Merci, patron. Merci, patron. Sans qui on s'enrôlait, ma députée Nabino Bakozala. Toujours en province, mais autre chose. Chiffré à plus de 691 milliards de francs congolais, équivalent à plus de 341 millions, millions de dollars américains, soit un accroissement de plus de 50% par rapport au budget précédent. Le projet de budget budgétaire exercice 2023 de la province du Congo central a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée provinciale au cours de la plénière du jeudi 15 décembre 2022. Le détail, c'est avec nos confrères de la cellule de presse du gouvernorat.
Après 10 jours d'intenses travaux parlementaires de tout l'étage au niveau de la commission économique et financière de l'organe délibérant provincial, où il a été versé par la plénière, le dit budgétaire pour l'exercice 2023 est enfin adopté ce jeudi 15 décembre à l'unanimité par les députés provinciaux du Congo central. Un vote intervenu à l'issue de l'approbation du rapport de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale qui a travaillé d'arrache-pied sur les amendements apportés par les élus provinciaux lors de la plénière du 5 décembre dernier. Les 19 articles qui contiennent cet instrument légal ont été approuvés l'un après l'autre par le représentant provincial du peuple en présence du chef de l'exécutif provincial, Dr. Guy Banonongidi Kantore, son vice-gouverneur, et plusieurs autres membres du gouvernement provincial. Le texte a été adopté dans sa globalité conformément aux dispositions de l'article 64 du règlement intérieur qui régit cette chambre délibérante et sera transmis à l'exécutif provincial pour sa promulgation au plus tard le 1er janvier 2023. Au sortir de la salle de plénière, le gouverneur du Congo central n'a pas dissimulé sa satisfaction de doter sa province d'un budget ambitieux qui tient compte des aspirations profondes de ses administrés. La première des choses, c'est déjà de remercier l'honorable président de notre assemblée provinciale pour l'invitation. Ce qui était un projet dédié budgétaire pour 2023 a été adopté à l'unanimité par les députés provinciaux présents lors de cette plénière. Et donc nous sommes heureux de cette adoption. Nous ne pouvons rien promettre sinon de faire tout ce qui sera en notre pouvoir pour répondre aux attentes de la communauté. Le budget que nous avons proposé et qui a été aujourd'hui adopté est un budget ambitieux et qui devrait répondre en tout cas aux priorités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'urgences qui se présentent au niveau de la province. Mais nous avons la ferme conviction avec la détermination de notre gouvernement grâce à l'appui de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée provinciale. Nous sommes confiants que la mise en œuvre de ce budget va permettre à nos populations de sentir un mieux-être. En tout cas, nous y travaillons. Il s'est rappelé que le budget de la province pour l'année 2023 est évalué en recettes et en dépenses à l'équivalent de 341 947 126 dollars américains, soit un taux d'accroissement de 55,63% par rapport à l'exercice précédent. Au niveau national, 16 milliards de dollars américains, c'est à cette somme que s'élève la loi des finances exercice 2023 pour la République démocratique du Congo. Ce budget a été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, malheureusement, dans des termes différents, ce qui a obligé les deux chambres du Parlement à mettre sur pied une commission mixte paritaire de deux chambres pour harmoniser les vies. Finalement, cette loi de finances exercice 2023, chiffrée à 16 milliards de dollars américains, a été adoptée à l'unanimité. Le détail avec Pacifique Mwanda. Adoptée le samedi 3 décembre 2022 par l'Assemblée nationale, la loi de finances exercice 2023, présentée en équilibre en recettes et en dépenses à 15,8 milliards de dollars américains, a été révisée à la hausse par le Sénat. C'était au cours de la plénière du jeudi 15 décembre 2022 à l'occasion de la clôture de l'exercice parlementaire, session de septembre. Ce projet de loi a été révu à la hausse de 468 milliards de francs congolais, soit près de 234 millions de dollars américains, grâce aux recettes additionnelles dégagées par la commission ECOFIN après 9 jours de travail. Par conséquent, le budget de la République démocratique du Congo est passé de 15,8 à 16 milliards de dollars américains. Il est parti d'un budget de 22 753 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Donc il y a eu quand même un accroissement de 2 513 milliards de francs congolais. À son tour, le Sénat a porté un surplus de recettes de 468 milliards de francs congolais. Donc c'est ce qui nous amène finalement au finish à un budget de 32 502 milliards de francs congolais. Poursuivant son discours, le président du Sénat, Baet Lukwebo, a annoncé la formation d'une commission ECOFIN paritaire de deux chambres du Parlement pour harmoniser les vues autour des textes avant que ces budgets ne soient transmis au président de la République pour sa promulgation.
Changeons de chapitre. L'inquiétude plane encore au sujet de la reprise du trafic sur la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa, cette route qui a été coupée en deux à cause d'un glissement des terres qui a été causé par une forte pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du lundi au mardi 13 décembre 2022. Après le début des travaux de réparation de cette route, finalement, ces travaux ont été anéantis par une nouvelle pluie qui a emporté les matériels de construction. Les détails, c'est dans cet élément. La situation reste inquiétante pour la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa, coupée en deux par un glissement de terre à cause de la pluie qui s'était abattue sur la capitale congolaise dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Cette route d'intérêt capital pour l'approvisionnement de Kinshasa par les Congo central et pour ses trafics importants de personnes entre les deux provinces s'est coupée en deux à partir de la place en vrac et Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Juste après la visite du Premier ministre, les travaux ont directement débuté pour la réparation immédiate de cette route tard le mardi 13 décembre. La circulation avait été particulièrement rétablie après quelques heures d'intenses travaux. Selon les autorités, le véhicule de gros tonnage pouvait normalement poursuivre le chemin 7 à 10 jours plus tard. Malheureusement, la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 décembre avait anéanti les efforts consentis par les techniciens sur place en emportant la partie à moitié réparée. Selon l'administrateur du territoire sortant de Kasangoulou, Madame Isabelle Nkoussou, le passage reste difficile, parfois impossible, pour entrer dans la ville de Kinshasa avec une longue file d'attente, celle le véhicule tout terrain ose emprunter la route de secours à partir de Luila. Dans la province du Nord Kivu, en dehors de la situation sécuritaire qui reste inquiétante, la population fait de nouveau face à l'épidémie de choléra qui a été déclenchée. Déjà deux morts et plusieurs centaines de cas enregistrés. Cette déclaration a été faite par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Suivez-lui donc dans ses propos recueillis par notre correspondant permanent à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, Daniel Michumbiro. Chers compatriotes, c'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu, précisément le territoire de Nyiragongo, fait face à une augmentation des malades qui présentent la diarrhée aqueuse, sans fièvre, mais qui s'accompagne d'une perte abondante de liquide corporel et parfois des vomissements. À ce jour, nos services de santé ont enregistré 661 malades et déplorons 4 cas de décès de nos compatriotes. Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et les rassurons de notre soutien. Après analyse, le laboratoire confirme la présence de vibrions choléra dans 149 échantillons, alors qu'un seul cas de choléra est synonyme d'épidémie. Sur ce, conformément aux dispositions constitutionnelles, je déclare l'épidémie de choléra dans la province du Nord Kivu et plus précisément dans les territoires de Nyiragongo. Et sollicite par la même occasion la solidarité du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers en faveur de la population du Nord Kivu, déjà victime des conséquences d'autres crises. À l'ensemble de la population, je recommande le respect strict des mesures d'hygiène, notamment le lavage de mains, l'utilisation correcte des latrines, l'utilisation de l'eau potable ou traitement de l'eau de boisson, d'éviter de manipuler les cadavres et coopérer avec les agents de santé en ces temps d'épidémie tout en signalant et en amenant au centre de santé le plus proche tout cas de diarrhée. Je rassure toute la population du Nord Kivu
que les dispositions sont prises pour mettre fin à cette épidémie le plus vite possible. Je vous remercie. Changeons de chapitre. Le deuxième sommet États-Unis d'Amérique, Afrique a tiré ses rideaux ce jeudi 15 décembre 2022 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs dirigeants de l'Afrique, notamment notre président, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont participé à cette deuxième édition du sommet USA Africa qui a réuni donc le dirigeant de deux communautés. Finalement, la Maison-Blanche veut renouer ses liens avec l'Afrique qui est de plus en plus influencée par le partenariat avec Pékin, soit la Chine, mais aussi Moscou dans le domaine de la sécurité. Les détails, c'est avec cet élément, ces récits de nos confrères de TV5 Monde. Un véritable ballet d'avion présidentiel sur la base militaire d'Andrews, près de Washington. Les dirigeants sont venus nombreux pour ce sommet Afrique-USA. Le dernier du genre était sous la présidence Obama. Cette fois, c'est Joe Biden qui veut relancer le partenariat, mot-clé de cette rencontre de trois jours. La tenue du premier sommet de ce type en 2014 a été un moment décisif pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos nations. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer des opportunités, j'insiste là-dessus. Et des opportunités, il n'en a pas manqué. La partie américaine multipliant les annonces au fil des ateliers thématiques ou des discours de Joe Biden. Les États-Unis annoncent 55 milliards de dollars dans les trois ans pour les domaines du numérique, des infrastructures et de la santé. En marge du sommet, le secteur privé américain a prévu des contrats pour 15 milliards de dollars. Ce mercredi, le dîner d'honneur à la Maison-Blanche s'est donc tenu dans une certaine bonne humeur. C'est Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui s'est chargé de répondre. Nous partageons le même état d'esprit. Nous voulons faire avancer notre programme commun avec vous et faire passer notre partenariat au niveau supérieur, dans une approche inclusive, réunissant les gouvernements, le secteur privé, la société civile et la diaspora africaine. Sans la nommer, le président américain veut reprendre la main face à la Chine, toujours plus active en Afrique. Le secrétaire d'État à la Défense a pris moins de précautions. Il a relevé, selon ses mots, son rôle déstabilisateur. Quant à la Russie, toujours selon lui, elle continue d'envoyer des armes à bas prix et des mercenaires à travers le continent. Les Américains ont choisi plutôt l'arme de la séduction. Ce jeudi, dans un dernier discours, Joe Biden en a rajouté. Il s'est prononcé pour une représentation permanente de l'Afrique au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Il promet même une grande tournée subsaharienne, sans préciser ni date ni pays visité. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez certes compris, c'est par cette note que nous mettons point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.